ujumbe hii tulipokee. Nilapela sorti. Ni mwito kutoka. Sorti ni mwenye mpembe. Toke kati yako taifa yangu. Separez-vous dit le Seigneur. Namtenganya nabo hivi Bwana anasema. Pas toucher ce qui est impur. Usiguse hivi uchafu. Quelques images. La peine à chier de tout faire avant de chanter. Mais les chier kuimba. Nous croyons à la continuité. Si ton ami n'a qu'une seule habitude qu'on a indélé. À la mort de Frère Branham. Wakati ndugu Branham alikufa. Bintu abikushimane pale. Les choses abikubakiria ke pale. Il y a la continuité. Kuko mambo ikunendelea. Vous savez quand Frère Frank parle. Najua wakati ndugu Frank yuko nasema. Nous devons beaucoup tirer des leçons. Tunapasha kuteka ngalisho mzuri sana. Surtout quand il écrit. Mara mingi wakati yuko nanjika. Quand il parle. Na wakati yuko nasema. En tant que de chrétien. Sawa ba Kristo. Nous devons accepter la correction. Tunapasha kuchika kunyoloshwa. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Accepte la correction. Anakubaliaka bapate kumunyorosha. Nous sommes des élus de Dieu. Shi tukubate ule ba Mungu. Vous savez, son ministère. Najua ile utumishi yake. Est connecté directement à celui de Frère Branham. Nyakwambatana na ile ya ndugu Branham. Pourquoi nous devons tirer attention quand il parle. Je commande toi pas ça coûter quand galicho sana wakati kuna sema. J'aimerais que vous suivez attentivement. Mina penda muifuate na angalisho mnene sana. Puis nous allons tous prier. Kisha tutaomba siote pamoja. La technique pouvait nous balancer. Batweke d'un foyer de croyants, d'une famille croyante. J'ai pu consacrer ma vie au Seigneur. Milito wa maisha yangu kwa Bwana. Très tôt. J'ai l'âge de 14 ans et je peux dire que la consécration est restée tout au long de ma vie. Vraiment. Je n'ai pas dansé une seule danse. Je n'ai pas fumé une seule cigarette. Je ne me suis même pas assis à la table de la... avec une bière, avec les moqueurs, etc. J'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je peux dire à tous, je n'ai jamais vu un film de ma vie. Je n'ai jamais assisté à un théâtre, pas une seule fois. C'est Dieu qu'il a fait ainsi. Ni Mungu qui a conduit les choses ainsi. Pas une seule fois. C'est lui qui a conduit ma vie ainsi. Pas une seule fois non plus. Je n'ai vu un film soi-disant singulier. Pas une seule fois. Mes yeux n'ont vu. Je dirais quelque chose qui relève du domaine sexuel. Pas une seule fois. J'ai vu un film. Pas une seule fois. J'ai vu un tel film qui relève du domaine sexuel. J'ai consacré ma vie à Dieu une fois pour toutes. Et comme vous le savez, j'ai commencé à prêcher et à servir le Seigneur dès l'âge de 17 ans. Donc, le temps est donc venu pour nous de renoncer au monde, à la convoitise du monde, aux choses et aux désirs mondains, de consacrer entièrement notre vie à Dieu. Amen. Amen. Qui a compris? Nanya na elewa? Qui a compris? Nani anaelewa? Rejoins encore ça. Mwilurishe tena.
d'un foyer de croyants, d'une famille croyante. J'ai pu consacrer ma vie au Seigneur très tôt, dès l'âge de 14 ans. Et je peux dire que la consécration est restée tout au long de ma vie. Vraiment. Je n'ai pas dansé une seule danse. Je n'ai pas fumé une seule cigarette. Je ne me suis même pas assis à la table de la, avec une bière, avec les moqueurs, etc. J'ai vraiment consacré ma vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je peux dire à tous, je n'ai jamais vu un film de ma vie. Je n'ai jamais assisté à un théâtre. Pas une seule fois. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Qui a conduit les choses ainsi. Pas une seule fois. C'est lui qui a conduit ma vie ainsi. Pas une seule fois non plus je n'ai vu un film singulier. Pas une seule fois mes yeux n'ont vu. Je dirais quelque chose qui relève du domaine sexuel. Pas une seule fois, j'ai vu un tel film. Pas une seule fois, j'ai vu un tel film qui relève du domaine sexuel. J'ai consacré ma vie à Dieu une fois pour toutes. Et comme vous le savez, j'ai commencé à prêcher et à servir le Seigneur dès l'âge de 17 ans. Donc, le temps est donc venu pour nous de renoncer au monde, à la convoitise du monde, aux choses et aux désirs mondains, de consacrer entièrement notre vie à Dieu. Amen. Amen. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse. Le temps wakati et pour nous de renoncer au monde. Frère, Banduku, Jésus revient bientôt. Très bientôt. Nous devons renoncer tout. Nous, Frère Destin, pour la prière. Duk Destin, kuye Dieu à Maombi. Mungu baba yetu na Mungu wa uwezo. Asante juu ya ushuhuda ya uwezo. Bwana baba yetu, si nous sommes incapables de donner un tel témoignage, kama shia tuwezi kuleta hiyo ushuhuda. Mais nous te glorifions du fait que tu as un témoin aujourd'hui. Tunakupikia asante juu na ushuhuda moyo wako. Quelqu'un qui peut se lever. Mungu anaweza kusimama. À l'échelle mondiale. Na mbele ya bantu wote. Dire. Na kusema, de ma vie je n'ai jamais regardé un film. Je n'ai jamais regardé un théâtre. Oh Seigneur, quel puissant témoignage. Ça prouve réellement qu'il a réellement consacré sa vie. C'est qui est merveilleux. Le Dieu qui l'a soutenu. Tu es aussi notre Dieu ce matin. Oh Dieu tout puissant. D'une manière ou d'une autre, nous avons commis ces choses dans l'ignorance. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que tu as prévu pour nous une brèche. En disant que toi Dieu, tu ne tiens pas compte de péchés commis dans l'ignorance. Oh Seigneur, ton sang est capable d'ôter toutes ces mauvaises choses. Oh Dieu, nous te demandons de nous aider dans la profondeur de notre cœur. C'est de marcher comme Jésus. Dans la profondeur de notre cœur, c'est de vivre comme Dieu le veut. Seigneur, viens nous rendre capables. Seigneur, le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Rends-nous capables, Seigneur. Nous te consacrons aussi ce matin nos vies. Rends-nous capables, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur. De vivre une vie sainte. Parce que nous voyons ton retour se pointer, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur. À nettoyer toute saleté dans nos maisons. À nettoyer toute saleté dans nos chambres. À nettoyer toute saleté dans nos cœurs.
cœurs, que nous soyons réellement des vases disposés à recevoir le Saint-Esprit. Utilise aussi ton serviteur qui nous parle sur le Saint-Esprit. Seigneur, permets que chaque cœur sincère ce matin puisse expérimenter cette bénédiction, parce que c'est ta promesse et c'est la promesse pour nous tes enfants. En dehors de nous, le monde ne peut pas les recevoir. Tu as donné le Saint-Esprit pour nous ton église. Parle-nous de façon que chacun de nous entre dans l'expérience avec le Saint-Esprit. Bénis ton serviteur. Merci d'avoir ouvert, Seigneur, le président du culte pour qu'il puisse nous balancer ses témoignages. Le reste du programme entre tes mains, nous comptons en toute chose, Seigneur, sur toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la foi nous l'avons demandé. Amen. Amina.